yo de ya. Par contre, vous comprenez. Et conseiller président dit yo pap chita avec des ministres en dans conseil des ministres. Yo estime que c'est des ministres qui irritent, c'est des irritants, oui. Il y a parlé de ministre des Affaires étrangères des cultes, madame Dominique Dupuis. Et vous venez ajouter l'autre ministre de Naï, Carlos Hercule, ministre de la Justice. De l'autre côté, le gouvernement dit tout lui-même, il pape chita avec conseiller qui indexé, qui inculpé, qui impliqué, qui cité comme vous voulez dans le dossier BNCR. Et puis du coup, pas jamais gagné conseil des ministres. Bon, si pas du conseil des ministres, comment espérer des yeux pour le là? Parce que tout est en poste jusqu'à présent. Hein? Conseil président là, chef gouvernement là, ministre, etc. Donc, pas jamais gagné conseil des ministres, en rien. Et chaque petit record là. Et puis, ou pral vle moi-même pour m'a parlé de 700 000 moun et plus qui déplacé. Oui, faut me parler de yo, faut me parler comme information. Mais quand y a la lem fin parler de yo, m'vin di nou ça. Qui est-ce pour me tirer oreille yo? Qui pour prendre des dispositions pour adresser problème déplacé interne yo? C'est nous-mêmes journalistes qui va faire ça ou bien c'est vous autres qui tendez qui suivre là? Mais c'est moun nou paye yo, c'est moun qui dit yo capable yo, oui. C'est moun qui a joué privilège l'état, c'est moun qui gagne policier qui a ba ou sécurité, qui gagne soldat dans l'armée qui a ba ou sécurité. C'est moun qui a bien dormi, qui a bien viré, qui dans hôtel ou bien qui habite dans l'autre caille, deuxième résidence, que l'état paye pour l'agent PAM, l'agent POR, l'agent PAL, l'agent diaspora, oui. C'est yo gen responsabilité a. Mais si c'est yo gen responsabilité a, donc nous devons gen yeux sur comportement autour. Nous devons connaître ça, régler ça à faire. Pour c'est nous même qui a gen dernier mois. Est-ce que n'a toléré que yo continuer à brancer là, à goumer là et puis problème yo a empiré, situation a envenimé. C'est nous même qui a comme ça. Mais nous autres comme journalistes, nous gagnons loup nous dans nous. Chaque grain bail qui évolue, chaque grain rebondissement, chaque grain épisode qui gagne dans saga ça là, dans série ça là. Li droit priorité. Les deux priorités, ou bien le donnant les priorités. Parce que nous, certains, je dis, la bataille qui gagne entre deux groupes dans l'État, ce n'est pas yo qui a payé ça, c'est le pays qui a payé ça. Ce n'est pas yo qui a payé ça, c'est le pays. On s'est pété qui jurait faut gagner un remaniement ministériel. Et me dit, récemment, yo te kwen nan remaniement ministériel la, faut que ta genyen jusqu'à 7 nouveaux ministres qui intègrent le gouvernement. Bon, jodi a la, selon sa mien comme dernière information. Bon, yo di même le pa ta gen 7 nouveaux ministres qui intègrent en dan gouvernement, ton écrasé yo, ton éboulé yo, gen 2 ministres qui pa gen droit en dan gouvernement. Ministre, m'sot cité la ou la. Moi, j'ai écrit pour le ministre de la Justice, le ministre des Finances, tantôt. Dans lettre. Vous avez des amis là? Il dit tout est écrasé. Le ministre de Justice, le ministre des Affaires étrangères. Affaires étrangères, nous connaissons vous. Washington. Non, et justice là, je ne vous dis pas. Mais l'économie, je dis que, apparemment, il y a des gens qui ont mis là, je ne vais pas circuler. Je dis ça, oui. Bon information. Jusqu'à hier ou avant hier, je crois. Villa d'accueil était dans Blackout Route. Il n'y a pas passé génératrice, pas de gaz. Pas de gaz. Fournisseur qui est comme niveau gaz. Il n'y a pas de débloquer l'argent. Récemment, il a pompé là. Il a presque gommé là. Il n'y a pas touché. Il n'y a pas de frais. Finance bloqué l'argent. C'est ça que vous expliquez. Je ne comprends pas. Vous comprenez. Yo dit au moins de ministre yo faut que va et gars connu même quand elle dit comme ça négatif pour conseil présidentiel là t'as espéré un éventuel remaniement ministériel faut que yo mette trois conseillers qui impliqués dans la BNCR
faut que vous mettez campé au Kagla. Et c'est au Kagla qui va l'évaluer ministre si il y a nécessité pour remaniement. Il a reconnu pose ses conditions avec un peu d'arrogance. Il n'a dit reconnu son fréquent, son arrogant, son dérespectant. Pas vraiment monde pour rien, son monde qui est autoritaire. Et gars reconnu pas bah respect, il a fait le verrou ça. Il a fait le verrou ça. Bah respect. Il a fait payer pour ça, madame monsieur. Gon résolution, nous te gien t'a parlé de ça depuis plus d'une semaine. Gien on qui va te prendre au sérieux. Gon résolution là qui signé et qui visait la révocation de Gary Conny. Dès que tu as expliqué nous ça, ça va nouvelle. Moi dis nous, sur 7 monde qui ka voté, il y a 5 monde qui signé pour jeter Conny, pour révoquer Conny. Majorité. Hein? Majorité, il y a 5 clients. 5 sur 7. 5 sur 7. Et ça fait résolution pour vous. La grande question. Et ça fait que les gens qui pensent c'est un moyen de pression. Mais au niveau du gouvernement, vous comprenez comment vous concevez ça? Ils disent c'est blague, c'est pété à bas, c'est chantage d'affaires. Ils n'ont pas compris ça. C'est ce qu'ils ont dit, gouvernement. Ils ont dit qu'ils ont dit ça. Résolution pour qu'on aille moniteur pour le publier. S'il va aller, s'il a publié. Mais il dit qu'on a été notifié. Il y a une résolution qui signe ou jeté. Le gouvernement n'a pas eu ça. Il dit c'est chantage qu'il a fait. Est-ce que son pression, effectivement, pour forcer Gary Conny d'accord avec le ministériel, la Jean Vléa, on ne le sait pas. Est-ce qu'effectivement, c'est chantage à faire. Vous dites, comment vous exigez nous ça nous-mêmes? Ou vous demandez nous de faire ça? Eh bien, nous-mêmes, nous prêts pour nous faire ça tout. Donc, si vous êtes attaché à un job là ou bien conscient que vous avez un il va peut-être faire back sur l'exigence de faire que vous avez jugé qui est arrogant. Par contre, vous comprenez. Jodia, qui c'est vendredi 8 novembre, là, dans le cadre de rencontre routine que le Premier ministre est habitué à faire avec CPTA, il a lui rencontré. Je suis à 11h du matin. Est-ce que la rencontre est décisive pour l'avenir CPTA ensemble avec Primature? On ne le sait pas. Est-ce que la rencontre est finie, même Jean, avec toute l'autre rencontre précédente, du côté que discussion faite, mais à the end of the day, il n'y a rien qui sortit. Tout le monde était sous position. Yo. Je ne dis pas que pas de moins, il entendre yo même. Est-ce que la rencontre ça va déboucher sur une décision politique qu'on peut être capable de considérer comme un coup de tonnerre? On ne le sait pas. Est-ce que Gary Conny va dire, bon, you know what, nous avons mis trop, bon, moi, je décide de démissionner, de quitter ça. On va brever. Est-ce que trois conseillers eux-mêmes, on a les hommes guerriers du seul. Et voilà, bon, nous sommes conscients que la situation est dure trop. Donc nous-mêmes, on a plaqué ça. Nous voulons aider. Nous voulons permettre que jouer un dénouement. Donc nous démissionnons. Ma brevée, on a. Question m'a posée. Est-ce que nous avons dit pas un problème, Gary Conny, comme vous estimez par rapport à nous qui citons dans. Dossier BNC, ou bien, comme vous estimez par rapport à rapport ULCC, par rapport à la justice qui saisit le dossier à Fok nous aller, est-ce que vous avez pris une résolution, comme je l'avais dit tantôt? Vous dit, vous avez aller, mais toujours est-il, le CPT n'a pas collaboré à Gary Conny. Est-ce que vous avez dit ça? Ou bien est-ce que c'est la communauté internationale? Est-ce que c'est Monsieur Leblanc, qui n'est pas Edgar Leblanc fils, les États-Unis en particulier, qui peut aller venir là, qui peut aller dire bon, la frappe est la terre, monsieur, il faut entendre nous. Si nous ne pouvons pas entendre nous, nous tous pour aller.
ou bien est-ce que les États-Unis pourraient le trancher pour dire mais qui est-ce qui doit aller, mais qui est-ce qui pas lui aider. On va me conclure, me permettre d'interagir. Non, alors, moi-même, quand ça qui est plus comme si choqué dans ça, m'a regardé là, c'est pas le fait que moi, ouais, que dans la bataille qui gagne entre CPT et le Premier ministre Garry Conille ou bien le gouvernement Garry Conille, la population haïtienne, ou je n'ai pas qu'être monde qui la donne, qui allait dans le même sens bataille là. Ouais, ça veut dire que je ne vais pas diviser en deux. Il y a deux monde selon que vous avez intérêt dans CPT, c'est Garry Conille qui problème. Selon que vous avez intérêt dans Garry Conille, c'est CPT qui problème. Et puis, yo pas rendu compte que en dedans problème ça, yo même yo refermé dans un bulbe côté que yo exposé à insécurité, yo exposé à chômage, yo exposé à des problèmes économiques criants, yo exposé à problèmes maladie, etc., problèmes éducation.